Je vais lui présenter un gros projet. Présenté par Genotime, c'est Ultimate Clasher, mon pote. C'est comme du Ultimate Fighting, mais avec les mots. Dans le respect total, on est d'accord ? Pas de phase d'addition pour des parents ou des membres de la famille. Poto, c'est Genotime. Je suis en direct de place de la Concorde pour l'Ultimate Clasher hors série, motherfucker, opposant Smoothie à Bamba. Smoothie, il est de Paname. Bamba, il vient de Grenoble. Il se déplace de Grenoble. Ça va être du lourd. Je vous présente mes juges. On se retrouve tout de suite pour le battle. Prêt ? Alors moi, c'est Colonel 9-4, t'as vu, artiste de l'appel Pas de Game. Un peu qui est sur scène, pour ceux qui ne savent pas. Là, j'ai sorti mon premier street album là dans les bacs, ça fait 2 mois. Ça s'appelle Les 12 coups de minuit, t'as vu. Il monte. Ok. C'est un double CD, 24 titres, t'as vu. Les LP show, c'est dans les bacs, sur les plateformes téléchargeables, tout ça. Sinon, moi, je suis ici, là, sur le clash de Ultimate Clasher, t'as vu. Je fais partie du jury. Et moi, ce que j'attends des artistes, t'as vu, c'est vraiment du sérieux, de la concentration sur l'artiste, tu vois, sur l'adversaire, tu vois, parce que... Ok. Parce que moi, j'aime pas trop l'histoire, quand ça touche les darons, quand ça touche les femeux, tout ça, tu vois. On n'a pas besoin de ça, tu vois. Tu peux en placer une, mais bon, c'est pas nécessaire. Si vraiment tu t'es concentré sur ton adversaire, tu peux t'en sortir. Donc voilà, c'est ce que j'attends. Donc de la qualité aujourd'hui, ouais, c'est ça que t'attends. Ouais, ok. Qualité, du niveau. C'est cool. Une petite dédicace à lâcher pour des gens. Pas de Game, Spiral Prod, FCBZR, M3X, Vitry sur scène, tous les, okay. Tous les ghettos de France, tous les checkers. C'est cool. On peut te retrouver quand, quelque part, là, récemment, tu vas faire un truc, il y a une actu, bah, y a ton truc. Il y a plein de trucs, il y a des clips sur internet, ouais. Patate. Là, on est en train de clipper aussi à toute patate aussi. Les concerts, ils vont en avoir, t'as vu. On se prononce pas dans le vide pour rien du tout, tu vois. Exact. Mais tout se fait en ce moment, tout se fait sur le temps en même temps, pas de galère. Ok. Pas de game, quoi. Colonel 9-4. Colonel 9-4, on retient, ouais. C'est cool, mon gars. Bah, vas-y, merci d'être là en tout cas. Game. Ok, moi c'est Badel, Trafiquant Prod, Spiral Prod, International. Facebook, Spiral Prod. Twitter Spiral Prod, Google Spiral Prod. Tout Spiral Prod. Voilà, exactement. Ok. Tu viens faire quoi ici là aujourd'hui là ? Aujourd'hui on m'a convoqué, il fallait que je sois jury. Tu vois ? Donc je vais faire le travail. Ouais. En espérant que les MC vont kicker ça, tu vois ce que je veux dire ? Ce que j'attends d'eux, c'est technique, punchline, finesse. Ok. Voilà. Ok, moi c'est Yao, ouais. Bon rappeur depuis un certain nombre d'années. On m'a appelé pour être juge de cet événement. Donc moi ce que j'attends des rappeurs c'est de la surprise, des bonnes sensations. Et pour ce qui est de ma part, je fais du son mais on verra ça plus tard. Ok, on se prépare. On déclare pas. Si. Ok, Dak, merci. Troisième jury, c'est cool. Yeah, c'est Genotime, poto. En direct du clash. Faites du bruit, s'il vous plaît. En direct de place de la Concorde, chef de présentation, on est là pour du sale. MC à ma gauche, présente-toi. Ok, moi c'est Smoothie, SM2OTHY, je me rappelle plus trop comment ça s'appelle, bon c'est pas grave. Je suis heureux de clasher le chaperon noir ce soir. Voilà, tranquille, on est à Paname, on va faire ça. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour lui. MC à ma droite, présente-toi. Yo! Moi c'est Bamba Machiavel Zik et j'ai fait 500 km car je suis sénégalais, un peu portugais, gitan ou turc, mais je suis venu jusqu'ici pour repeindre ces murs au sang de pute. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît, il vient de Grenoble. Bon, MC, franchement, comme tu te déplaces de Grenoble, je vais te laisser le choix de soit tu commences, soit il commence. Vas-y, commence. Ça va. Attends, c'est le bon timing. Prévenir que je suis rappeur, on va sûrement parler de mon blaze. Genre il va me mettre une banane ou je vais tomber dans les pommes. Mes potos, laisse tomber. J'anticipe les 3/4 de tes punchlines, t'auras même pas l'effet escompté. En gros, je te montre que je suis au-dessus de toi. Missionnaire. Et vu que t'as l'air un peu fragile, je vais lâcher des tas de putains de gros mots qui vont sûrement te choquer. Dictionnaire. Non. Je rentre dans le clash. C'est le PSG contre le GF38, cousin, y'a pas de match amical. Quoi, tu fais du bruit pour rien, tu brasses de l'air, Bamba, c'est juste un paix vaginal. Et le pire, c'est qu'il fait des sons où il pose sort ce nu en parlant du mariage gay. Mais plus je regarde ta gueule, plus je me dis que c'est en le voyant qu'ils ont dû inventer l'art abstrait. Oubliez ça, Bamba c'est un rappeur. Hésitant entre les médisants, les compliments faits dans la dilettante face à un tas d'ennemis, espèce de gros pédophile.
La dernière fois que ta meuf a eu ses règles, bah non, elle vient d'avoir 11 ans et demi. Oublie ça. Pendant que j'écris des lignes fines, je cherche des récits qui vont faire que les gars tati me ferment leur gueule. Bamba, tu cours après une éternelle renommée, t'es le singe dans Temple Run. Non, non, moi je distribue les coups. Droite d'Holyfield, je me barre avec ta go, même si c'est pas une jolie fille, je te pousse au bord du récit, vu personne ne veut toi ici, vu que t'es trop noir et Jacques facial. Je te Michael Jacksonifie. Vas-y, vas-y, je te laisse une vas-y. Et juste pour finir, MC, sache que t'es aussi falche qu'une paire de Jordan 11. Tout le monde te voit, personne te calcule, t'es comme une pub sur YouTube. Merde, j'aurais mieux fait d'ignorer l'annonce. Yeah. Du lourd. Bamba, premier round, c'est quand tu veux, poteau. J'ai une faim de lion, je descendrai même un rôti d'éléphant, mais j'ai au time. Fous mon gueule, toi. C'est ce cocktail de tout, tu me présentes. Archem, t'es la preuve, y'a pas de bon truc à Paris, man. Ferme ta gueule dans ce battle. Je suis Draco Feuté. Moi, je dors. En gros, tu sers à rien, comme dans le rap, mais on te laisse pour la déco. Je vois pas d'alcool, donc je baisse ta crawl pendant que tu restes à l'apéro. Tu parles de sexe, tu connais quoi? Ah oui, la verge à Enzo, t'es tellement con qu'on m'a dit qu'avant de boire, il essaie de l'apéro. Quand il m'a dit que c'était toi, d'abord on s'est mis à rire. Et vu que je te connaissais pas, je me suis renseigné sur ta vie d'artiste. Galerie d'art vide. J'ai cherché pendant des jours pour trouver Ténas, freestyle, parce que c'est pas ton pseudo. Celui-ci, c'est déjà un négro aux États-Unis. T'as pas de fan qui te soutient sur ton Facebook, t'es à chier. Le seul type de com qu'il obtient, il va le rouler après pour me zapper. Moi quand je rappe, je blague pas, teste-moi, je t'aplatis. Toi, tu t'es fait raquette le mic par Rafale au Cypher Kids. Et si t'as dit à tes potes que t'allais me gagner, t'as menti, y'a qu'une personne du 38 qui peut égaler. Amandine, et n'essaye pas de me tailler sur elle, ta meuf a la même ganache. Même si tu n'es qu'une petite pointure que mes textes, ça va. T'as la vingtaine, t'as fait des scènes samples, Kev Adams. Avec ta tête de pastèque, ça se voit t'aimes la tête Ballantine. Ce mec joue les gros bois pour faire du gangs arabe. Aïe, souci, ta tête j'arrache. Time. Le fruit de la victoire, time. Un bon on pèse banane. Time. Yeah. Ok, c'est quand tu veux, mec. Juste, je voulais parler, en fait, je voulais pas que ça se transforme en film de cul, mais ce bâtard, il a montré ses seufs. Il avait ça dans les oreilles, mais ce qu'il dit pas, c'est ce qui sert pour boucher la chatte à sa meuf. Écoute, moi j'arrive. Deuxième round sur le C4, la TNT, donc prépare les barricades. Yo Bamba, t'es juste trop facile à baiser. Nabila. Non, moi j'en ai marre tous ces rappeurs aussi fouettés que l'esclavage m'immisce dans tes escapades. Renoir, t'as trop de boutons, c'est plus un front qui là, c'est un mur d'escalade. Moi c'est ce que c'est. J'écris dans l'ombre et à chaque cocktail c'est un vrai régal. Tu viens du 38, c'est lui le bouffon qu'Amandine a ramené de son voyage au Sénégal. Donc prépare-toi, je passe à table. Je tabasse ton équipe et puis c'est là que je m'installe. Nick, t'arras son équipe habitant d'âge mental. Je fais mouiller ta meuf et son clit avec mon armada. Que des KO des low-kick experts en art martial. Je vois un god Michel en chaque main technique sale bâtard. Et vu que j'ai deux chats dans les mains, bah je lance le gag glam style. Quoi, t'en veux encore? T'es à Paris, sinon quand tu rappes, tout le monde s'en fout. Bamba, je viens de te plier en deux, t'aurais mieux fait de t'appeler Bambou. Écoute, idiot, Bamba. Bimbo, une tape pas, Kimbo. Moi je t'enterre illico et là tu commences à comprendre ta défaite. Bah putain, bingo. En gros, t'as aucune chance de gagner, amigo. Ta technique manque de gabarit. Quoi, tu penses que je suis en train de clasher? Non, je vais simplement le toiter avec le gros doigt de pied de Caris. J'ai no time. Yeah. Yo. C'est parti, quand tu veux, deuxième round, comme Eminem, il est né mi-octobre, toi le 16, lui le 17. Contrairement à lui, t'écris même pas 10 16 par an. Mais comme lui, ton signe, personne n'aime dans nos tests. Balance. Te tuer aussi facile que grailler des croissants. Tu le tueur au puzzle, sur toi c'est marqué dès 3 ans. Arrête, les grenoblois te voient le soir sur Jean Jaurès, Tismé, Fontaine, première mondiale. Un lion descend, un cocktail fruité. Mais tu m'as trop fait pitié avec ta tête de victime. En tant que prof de rap, je vais t'apprendre à faire un freestyle. Dès que tu ramènes ta fraise, coup de genou dans les noix de coco, puis pêche en pleine poire, poteau. Tu tombes dans les pommes, tu vois tout noir, boubou. Et tu chiales pendant 5 nuits, 4 jours. Moi ce soir, je serai frais, j'aurai eu mes 5 fruits par jour. Alors lâche-moi la grappe, frelon. En deux couplets, je t'ai mis à l'amande. Je t'ai mis des gifles à la tempe pour tourner ta tête et plus voir ta face de melon ou de pastèque. En gros, plus t'avances, plus t'es chances de perdre ce décuple tellement je t'enchaîne des prunes. Smooth, bitch, sus de snoops, dick, fais sécher le sperme et le fume. T'es une soupe de fruits, faut que je te relook. Itch, ce soir de toi, je fais un légume. Et ceux qui te mettent, j'aime te banane, ton rap est ringard. T'as voulu test, bâtard? Tu joues à la roulette russe avec un arc. Chez nous, taille. Ok, troisième round. T'es toujours là? Espèce de petite lesbienne. Mec, regarde ta dégaine, j'ai cru que c'était toi qui allais nous bicrave une tour Eiffel. Pardon, attends, c'est pas grave. Oubliez tout ce que je viens de dire. Toi, tu vas repartir dans ta montagne sans espoir. Usain Bolt, il a jamais existé. C'était juste ce Renoir qui courait éternellement après la gloire. Moi, je pense que tu manques de flow. Pina Colada,
Prends une multitude de photos pour remplir ton diaporama, car Bamba, t'es juste un cliché de plus de cette nouvelle génération. Tu ferais rester dans l'ombre, diaporama. Mais je vais pas jouer les érudits. Dans 2 ans, je serai un des rappeurs les plus connus de l'Hexagone. Toi, ta meuf, je l'appelle Kebab, car tout le monde y met sa sauce. Tu te réfugies dans ses bras. Attends, tu te réfugies dans ses bras. Elle attend pour prendre sa dose et tu fais le truc en 30 secondes et elle te dit que c'est pas de ta faute. Non. Ralentis, prends ton temps. Quand tu rappes, c'est juste un conseil d'amis. Bamba, t'es juste une brebis égarée. T'aurais mieux fait de t'appeler Bambi. Non. Écoute, c'est facile pour moi de le faire. Je peux même partir en impro, j'ai oublié mon texte. Non, je rigole, je vais te baiser, la vidéo va s'appeler Durex, mais je vais repartir dans mon délire parce que je suis vraiment trop fort et si tu veux me tester, je m'en bats les couilles, je vais t'enfermer dans une pièce, tu vas en devenir claustrophobe. Ouais. Écoute ça, juste pour finir, chargeur plein, roulette russe, tu vas en perdre ton latin comme un étrusque. Et si je peux te donner un dernier conseil pour être célèbre, avoir de l'argent, des meufs, arrête le rap et reprends les études. J'ai nos tailles. Bamba, troisième round, c'est quand tu veux. Ok. T'es pas meilleur parce que t'es de Paname. Dois-je te le rappeler, man? Déjà, si ta vie était si rose, tu ne rapperais pas. Un pélo comme toi à la mer, pollution. Tous les pélos comme toi à la mer, solution. Car t'es pas criminel, ton rap n'a rien commis, à part de grosses commissions. La preuve, je suis venu, j'ai vu et après je pourrais dire que j'ai vaincu. Lui, il est venu, il m'a vu et il s'est gilé dessus. Regarde derrière là, regarde derrière. T'as une tache de caca derrière, bref. Je voulais enculer sa meuf, la sale pouf. Elle m'a fait s'il te plaît par la fouf. Mais elle a le contrepé d'une patte à chou, une chatte à poux. C'est pour ça que dans une saison, cette tapette a dit « Je suis tellement un chien que je rêve même de me taper l'affiche. » Tu peux rentrer chez toi grâce à moi, ça se réalise. Tu mérites 2000 gifs, smoothie des SQR, suceur de queue rigide. Je suis sûr que ce dev ne peut pas compter tous les skegs qu'il a pompés. En écoutant son flow, je me suis dit « Waouh, mec feu a bronzé. » Un conseil, travaille autre chose que l'image pour passer bien sûr net. Un gros merde, t'as fait le concours à Gizmo, 5 mois, 75 vues, mec. Oh là là, j'aurais pas dû les enlever les bouquets, j'ai entendu des sales blabla, des choses en flot, ça a ras. À cause de la loi sur l'adoption, ton fils aura 2-3 papa. Parce que à cause, qu'est-ce que c'est, car même chez les deps, ce PD vit en ménage à 3. Bah la prochaine fois, smoothie couille de bois, reviens plus armé. Pareil que tu me cherches, Bolos, viens donc me braquer. Mais ce faux militaire est venu faire la guerre sans pistolet. Tu croyais vraiment gagner avec tes conneries osées? Après ce clash, faudra que tu te caches, tout le monde va te galerionner, car tu croyais avoir une grande frite, t'as qu'une pomme rissolée. Géno time! Faites du bruit pour les clashers! Ouais, ouais, yeah. On va tout de suite voir les juges! Prêt! Bon, alors, colonel 9-4, pas de game. Donc, alors, le coup du Jackson Ify, t'as vu, m'a bien plu, t'as vu. Donc, le premier, je vais le donner à Smoothie. Le deuxième, le coup du bambou, t'as vu. Ça aussi m'a bien plu, tu vois. On a fait galerie, pourtant, c'est le deuxième. Le premier, ils ont commencé timide, tu vois pas le délire. Yeah. C'était un peu timide tout ouais, ça. Ouais, ouais. Tant de se mettre dans le bain. Le deuxième, là, ça a commencé à puncher, tu vois pas le délire. Exact. Même Bamba en face, il répondait, il a bien répondu. Tu vois, en plus, il joue à l'extérieur, tout ça, faut souligner. Donc, bon, là, ça lui fait une petite déstabilisation. Mais ça va, il s'est bien tapé dans le deuxième. Mais le deuxième, je donne à Smoothie. Et le troisième aussi à Smoothie. Parce que. Non, pardon, excuse-moi, le troisième, c'est Bamba. Ok. Le troisième, c'est Bamba parce qu'il est bien revenu, justement. Tu vois. Ok. Donc ça fait premier Smoothie, deuxième Smoothie et troisième Bamba. Donc sur la totalité, Smoothie. Voilà. Ok. C'est. Et Colonel 9-4, le discours de mini, mon boy. Double CD, street album dans les bacs, faut les chercher, t'as vu. C'est à la Fnac, c'est à Virgin, c'est en sortie nationale. C'est dans ta ville, tu vois, la plus grande Fnac, la ville annexe de ton département, de ta région, puis tu vas trouver ça. C'est cool. La Jinx. Merci à toi, mon gars. Merci. Bon. Premier round. Et Smoothie. Deuxième round, c'est Smoothie, mais. Comment ça s'appelle? Bam Bam, c'est ça? Bamba, excuse-moi, frérot. Ils se sont battus, mais bon, Smoothie, il était un peu plus à l'aise, t'as vu? Donc je lui donne le deuxième round. Et le troisième, c'est Bamba. Enfin. Okay. Ok, donc on récapitule. Premier, Smoothie. Deuxième, Smoothie. Troisième, Bamba. Donc ça fait 2 voix pour Smoothie. Smoothie pour toi. Ok, si, merde. Bon, bah, pour ma part, je dirais Execo. Ex-aequo sur tous les rounds? Pas sur tous les rounds, mais ça s'est bien battu. T'as eu ce que t'attendais? Moi, oui, j'ai eu ce que j'attendais. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Et pour moi, ils se sont bien battus. Et je trouve pas qu'il y en a un qui a été meilleur que l'autre. D'accord. Donc je pourrais pas dire que Smoothie ou Bamba étaient meilleurs. Ex-aequo pour toi alors? Ok. Merci. C'est bon? Ouais. Yeah, c'est Genotime, poteau. On est de retour après la délibération des juges. C'était un battle super, super lourd. Et aujourd'hui, les juges, franchement, c'était super serré. Hein. Franchement, ça s'est joué de très, 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 très peu.
et le gagnant c'est Smoothie. Faites du bruit sur lui. Mais Bamba il s'est bien défendu, donc faites du bruit pour lui aussi. En plus je suis venu de Grenoble. Et il a parlé de GF38 PSG. Sache que le dernier Grenoble 38 PSG, ça se terminait par un 4-0 pour GF38. Je n'ai pas envie parce que le public m'aurait hué. Time. C'est un battle lourd. Donc vas-y, on se retrouve à la prochaine. Tu mets ta charge dans une route que vous connaissez mais qu'on ne connaît pas encore. Prêt.